Wesh, l'équipe BOBL, c'est la base, les gars. Enfin, quand je vous dis enfin, vous avez vu dans ma vidéo précédente que voilà, je suis de retour au local. Et quand je dis retour au local, je suis pas venu n'importe comment. Je veux dire, je suis pas venu à l'arrache. Je suis venu équipé. Et quand je vous dis équipé, c'est que voilà, j'ai changé mon setup. Vous allez un peu voir l'évolution. En fait, j'ai fait un petit vlog au local, l'évolution de mon setup, du local. Je vais un peu tout vous filmer là, vous allez voir dans la vidéo. Mais juste avant ça, les gars. Qui dit nouveau setup, dit nouveau partenariat, les gars. Je vais vous présenter Gamivo, les mecs. C'est parti. Gamivo, get a game. Voici Gamivo, les mecs. Voilà, c'est un site de clés RCD. Vous savez, je pense que vous connaissez tous. Voilà, on arrive sur la première page, les mecs. Il y a des offres. Par exemple, Commandant Conquer, je jouais quand j'étais petit sur l'ordi. C'est de la frappe atomique, les gars. Je crois qu'il y a Gamivo Smart, les gars, c'est genre, tu sais, voilà, vous payez par mois et vous avez encore des avantages en plus de ce que vous voyez de base. Et là, justement, les gars, par exemple, je vais acheter Commandant Conquer, je crois que je vais m'y mettre en plus. Vous mettez acheter, tout simplement, acheter avec le prix régulier. Ça met que votre produit a été ajouté au panier. Vous allez sur votre panier. Oh, j'avais Skyrim aussi, j'avais mis pour faire un test. Là, code de réduction, vous mettez la base, les gars. Appliquez et vous avez votre réduction de 3%, les mecs. C'est pas tout. Les gars, il y a mon lien en description et que mon lien va directement vous ramener sur Camino, mais sur ma sélection à moi. Camivo m'a fait une page spéciale pour moi, voilà, pour la base. Regardez, c'est écrit la base collection. Voilà, c'est voilà pour le fait que je joue beaucoup à FIFA. Il y a FIFA 20 en CD, mais c'est sur l'ordi, je crois qu'il y a 17€. Là, vous avez des points FIFA. Là, vous l'avez sur Xbox. Regardez, vous regardez les logos. De toute façon, c'est simple. Ça, c'est Origin. Et ça, c'est Xbox, vous savez. Voilà la mif. Voilà les gars. N'hésitez pas à utiliser mon compte si vous voulez aller sur Gamivo et acheter des jeux, des points FIFA, des codes PSN, Xbox. Il y a de tout, vraiment. N'hésitez pas, je vous le conseille. Et voilà, là, les gars, c'est parti. Wesh, l'équipe ou bien, c'est la base, les gars. Et ouais, là, c'est mon vrai retour au local. Je vous avais fait un petit vlog retour au local, mais c'était un petit... genre, j'étais juste de passage, tu vois. Là, cette fois-ci, les gars, c'est que je vais vous montrer un peu étape par étape, bah, mon setup, parce que j'ai vraiment tout changé. Voilà, j'ai eu plein de commentaires sur YouTube et tout. Faut que tu améliores ta caméra. Bref, plein de trucs. J'ai investi, les gars, après le confinement. Je veux revenir au local, mais genre avec... que du lourd, tu vois, j'ai envie de tout niquer cette année là, le FIFA 21 qui arrive, cette année et tout. Que ce soit pas que sur FIFA, surtout sur YouTube, sur ma vie, j'essaie de faire un vrai boulot, des horaires et tout. Là, ça fait au moins une semaine que je suis bien, genre je suis motivé. Il y a mon coach le matin, je fais du sport. Voilà, bref, vous verrez tout sur Insta, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Parce que là, j'ai arrêté Snap, je suis passé en privé sur Snap. Et sur Insta, je suis actif de ouf, n'hésitez pas à aller suivre mon Insta, les mecs. Pour voir l'évolution de mon corps de lâche. Bref, les gars, première étape, du coup, c'est ce bureau que j'ai acheté. Je me suis fait casser le dos. C'est un quoi? Un Rozi. Rozi Arena, les mecs. C'est Maxos qui me l'a conseillé. C'est un bureau qui vaut 300€. C'est la première fois de ma vie que j'achète un... PC, un bureau à 300€, frère. Voilà, je vous montre un peu. De toute façon, on va le monter. Après, je vous le mettrai. Est-ce qu'il paraît, c'est la top, c'est le top du top. Regardez, on va le monter en direct. Et regardez, là, il y a plusieurs couleurs. N'hésitez pas. Et moi, j'ai choisi le tout noir. Ça, là, ça va remplacer ça. Et ça, je vais tège, je pense. Frère, je vais planter quelqu'un avec. GG dans le chat, les mecs, s'il vous plaît. Tu me pèses vite fait quand même. Il est lourd, hein. En bout, t'es comme un gosse, là. Honnêtement. Oh. Aïe. Oh, y'a rien. Aïe. Oh, les gars. Vous le laissez en commentaire, durée de vie à ce bureau. Est-ce que je vais le niquer sa race? Oh, c'est propre, hein. C'est carré, là. Hein. Oh, c'est bien rangé, hein. Ouais, franchement, les gars, je sais pas si vous voyez, c'est très très bien rangé, en tout cas. Hop. Mais c'est déjà ouvert et tout, ouais. Putain, mais en fait, il y a trop de trucs à faire, Zepi. En fait, les gars, c'est trop long. C'est vraiment trop long, là. Oh, ça, c'est les pieds, ça. Bon, la mif, comment vous dire ça? J'avais commencé avec Maxtos monter le bureau hier. Et en 1h30, on n'a pas réussi. Et je peux vous dire, il y a une personne, je le croyais pas capable. Et il a réussi, les mecs. C'est Johan, les gars. Il l'a fait tout seul en moins de 2 heures. Voici mon bureau, les mecs. Bon, après, là, il manque plein de choses. Hein. Regardez, entièrement de tapis de souris. Magnifique, il est hyper grand. Franchement, les gars, là, je peux que bosser, les gars. Et mon ancien VS, mon ancien bureau qui est là, qui pue la merde, je vais le pêcher. Et le plus fort aujourd'hui, gros, tu veux quoi? Un café? Tu veux quoi?
Un café? J'ai travaillé 2 heures là-dessus, c'est un café que je vais avoir en rosé. Écoutez les amis, le bureau est très très bien, franchement. Tu l'as un peu mal monté, je trouve. Non, j'ai très bien monté, par contre, je comprends pas comment en 2 heures, ils ont monté qu'un pied en 2 heures, c'est grave. Bref, voilà, tout ça. Bah regardez qu'un pied, quand on parle de pied, regardez, tu vois, tout droit. C'est fait. Les gars, en commentaire, mettez-moi si c'est fait exprès ou pas. C'est fait exprès, bien évidemment. Ok. Ah, vous savez pas monter un pied, enfin, je vous ai dit, le seul truc qu'ils ont monté eux, c'est le pied, frère. Il y a le seul truc qui va pas, c'est le pied, les amis. Tout le reste. Ouais, bah. Solide, là, par contre, pas dedans, hein. Je vais jamais taper, les gars. Ouais, c'est mon dedans. Bébé, là, regardez. Regardez, il y a des petits trous. Lui, là. Là, il y a des trous pour mettre des ouais. câbles et les refaire sortir derrière, je pense. C'est ça. Magnifique. Oh là là. Ça, c'est l'étape. Bah, c'était quoi, le numéro 1 ou le numéro 2, je me rappelle plus. Mais après, petit à petit, je vais aménager, je vais ramener tous mes affaires que j'ai ramenées. En fait, j'ai juste la flemme, les mecs, de ramener mes affaires de chez moi ici. Tous les ordi, tout, c'est un bourbier. Et même Yo, il va faire pareil, hein. Regardez là, c'est le bureau à Yo et le bureau à Faïs qui est déjà calé, il est déjà en place. Bon les gars, c'est parti, on se voit bah, pour la prochaine étape, c'est ramener mes affaires et voilà, petit à petit, là-bas, elle se fait son lit. Bon la mif, on arrive à la dernière étape, c'est que mon bureau, mon setup soit fini. Putain, je me suis rasé, on dirait que j'ai grossi, frère, bref. Alors que j'ai maigri. Je sais quoi les mecs, je vais vous montrer un peu le local et après on va finir par mon bureau, mon setup du turfu quoi. On va commencer par le coin monteur vidéo les mecs. Là c'est Nils, bon il est en retard là, je vais lui tirer les oreilles. Il est pas arrivé. Là Maxtos il est là, il travaille, ça Maxtos bien? Ça va pas tranquille. Ça se passe, regardez les gars, il travaille pour de vrai, c'est pas un mytho. Ça y est, on est en place. Pour tous les gens qui disent Maxtos fait rien, il bosse les gars. Ça y est, hein. Faut arrêter là Steve, faut prendre une bouteille d'eau gros. Voilà les gars, on arrive ici. Ici c'est le dépôt les mecs. Comment on a changé un peu, voilà le dépôt, il y a des Play, des Xbox. Là il y a nos 14 manettes. Putain, s'il y a des gens qui réparent les manettes en commentaire, ça serait cool quoi. Là tout ce qui est caméra pour faire les vidéos, les GoPro, tout ça et tout. Ça, c'est à moi les gars, c'est parce que j'ai eu un souci, j'ai eu un nerf coincé et je devais me mettre sur le dos et faire tourner quoi. Bref, on s'en fout. Là, on arrive au salon les mecs, Johan est en train de monter le meuble vu que je sais pas si vous avez vu juste avant, il a monté mon meuble et là, bah il va monter un meuble TV, le Brims. Le Brims les gars. Ça va être là, ici, parce que maintenant, les gars, le local, on rigole pas. Noir. Noir, c'est noir. Il y en a vraiment plus d'espoir. Tout va être noir. En plaque. Exactement, comme triple plaque. Comme ma prochaine voiture. On s'en bat les couilles. Voilà, les gars, c'est la table. C'est mon ancienne table que vous avez vue. Là, c'est le coin cuisine, vous le savez, un frigo. Là, Faizidor, comme d'hab. Et là, les gars, on arrive. Dans la pièce la plus importante du local, il y a mon setup qui est juste là devant moi. Je vais vous le montrer. Là, le bureau de Yo, les gars. Il blague pas le bureau de Yo. Hein. Il blague pas parce que frère, c'est Johan. Il a 1 million d'abonnés. Vous connaissez. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Il est équipé depuis 2012. Nous, on est équipé que maintenant. Ça, c'est le setup à Faïz, les mecs. Faïz aussi blague pas. Hein. Et voilà, Faïz, bah, il est comme moi là. Sauf Faïz, il était plus équipé que moi, les gars, il avait la caméra avant. En fait, en gros, pour vous dire, c'est moi qui avais le setup le plus éclaté du local. C'était moi. Mais maintenant, je pense des fois la roue a tourné. J'ai investi, les gars, et voici mon setup du turfu. Voici mon setup, les gars, la base. Une nouvelle caméra que j'ai acheté 1 500 €, les gars, le GH5. Comme vous avez vu, tout était là, les gars. J'ai juste acheté le bureau. Qui vaut 300 €, c'est un arrosi les gars, je vous le conseille. 10-10 ou pas, validez, regardez mon setup comme ça. Petit screen comme ça là, base. Après les gars, je vous ai fait un tour comme ça, je suis pas rentré dans les détails, je vous ai juste parlé de tarot. Parce que moi, je fais attention qu'au prix. Mais voilà, après les compétences et tout, je sais pas, j'ai un peu, Johan m'a aidé beaucoup. Peut-être les prix sont peut-être élevés pour certains et tout, mais après c'est notre métier. Et j'ai remarqué qu'il faut investir justement. Et vous avez écrit, comme je vous ai dit, vous m'avez dit d'acheter une nouvelle caméra et tout, et c'est pour vous que je le fais, et merci beaucoup, parce que là, je vais pas vous mentir, je suis motivé de ouf, comme j'ai dit dans la vidéo, et le truc, c'est que, franchement, ça fait quoi, ça fait 4 ans que je suis dans YouTube avec Yo et tout, mais vraiment où je me suis lancé, c'est cette année, les gars, et j'espère que je vais vous proposer encore
des tas de trucs là, je l'ai vraiment pris comme un métier le truc. Avant en fait, je vais vous dire honnêtement, je m'en foutais un peu, je m'en battais les couilles. Je sais pas pourquoi, je gagnais un peu d'argent, j'arrêtais. J'étais un peu un flemmard, même. J'aimais pas travailler, voilà. Et là, depuis, en même temps, j'ai grandi aussi. Heureusement d'ailleurs que j'ai grandi et que maintenant je le prends avec. En boulot quoi, mais un boulot passionné. En fait, j'étais peut-être pas au début passionné autant. J'avais pas c'était quoi YouTube, je regardais jamais les vidéos YouTube. Et bah grâce à Yo, bah voilà, j'ai trouvé, on appelle ça une vocation. Bref, voilà, je vous ai un peu tout dit. Merci à tous ceux qui m'ont suivi cette année, même il y a 2 ans, il y a 3 ans, je vais pas m'arrêter là. Je vous le répète, franchement merci au fond du cœur, c'est grâce à vous que je fais tout ça, ça me fait plaisir de ouf. En vrai, de vrai, on a un métier en or, que je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de l'avoir et qu'on s'en rend pas justement compte et que je m'en rends compte peut-être que maintenant. Mais voilà, merci à vous. On restait avec nous jusqu'à des années encore, je sais pas, je vais tenir combien de temps, on verra après, voilà. Bref, c'était la base, prenez soin de vous, ciao ciao les amis.